Ça leur apprendra à se mesurer à pruntilles. Qu'ils essaient un peu de s'introduire encore dans notre salle de bal maintenant. Très étrange, je trouve. Ils sont plutôt craintifs, normalement. S'ils s'en prennent à vous, c'est qu'il y a une raison. Oh, c'est eux qui ont fait ça? Tu as déjà vu quelque chose d'aussi honteux? Ils ont absolument tout saccagé ici. On les a trouvés endormis sur ce tas de papier crépon. Ce ne sont pas les seuls, tu sais. Il arrive à Lily Framboise d'y faire un petit somme. Mais c'est vraiment très confortable. Je confirme. Oh, mais je sais ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe, dis-nous? Les intrus ne sont pas les écureuils, mais nous. Nous? Eh oui, ils ont choisi cet endroit pour pouvoir dormir au chaud pendant l'hiver. Et ils étaient sans doute là avant que Pruntille n'arrive. Mais pourquoi ont-ils fait main basse sur les gâteaux que nous avons préparés? Hier après-midi, je ne comprenais pas pourquoi Clafoutis m'aboyait dessus pendant que je préparais mes biscuits. Mais j'ai fini par considérer les choses de son point de vue à lui. Il pensait que je tenais non pas une érelle, mais sa babale rouge. Et il croyait que je voulais jouer. Et alors? Alors, il faut regarder cet arbre du point de vue des écureuils. Ce qui vous apparaît comme du vol est leur façon de s'engraisser pour pouvoir passer les mois d'hiver. Et donc, ce qui n'est qu'un tas de bouts de papier pour nous est un vrai lit à leurs yeux. C'est exactement ça. Alors, depuis le début, nous nous obstinons à essayer de les chasser de chez eux. J'en ai bien peur, Prunty. Oh, je m'en veux énormément. Allez, les filles, on ferait bien de rapporter tout ça à la maison. Dans ce cas, où allons-nous organiser notre bal? Je crois que j'ai ma petite idée. Petits écureuils, est-ce qu'on peut vous parler une seconde? C'est un cadeau pour vous. On ne vous veut aucun mal. Nous sommes désolés d'avoir essayé de vous voler votre abri d'hiver. Nous voudrions transformer notre bal de la fraise scintillante en bal de l'hibernation. Est-ce que vous seriez d'accord? Chaque invité apportera de la nourriture en cadeau. Comme ça, vous ne manquerez de rien pendant tout l'hiver. Mais où est-ce qu'ils vont comme ça? Il faut que tu sois au top. Essaye encore, ne dis pas stop. Et si tu tombes, lève-toi et recommence. Quand on fait de son mieux, tout le reste importe peu. Sois
Donnons à notre très distingué jury le soin de désigner les vainqueurs. Et tout de suite, voici les charmantes danseuses du ballet de Mégapomme. Saluons la grâce exquise des danseuses du ballet de Mégapomme. Et à présent, quelques minutes d'entracte avant de laisser la place aux danseurs de Frazy Paradis. Je vais déclarer forfait. On ne pourra jamais faire aussi bien qu'elle. Oh oui, je renonce. Je préfère m'éviter une nouvelle humiliation. Toi peut-être, mais as-tu pensé au petit pépin? Hein? Au petit pépin? As-tu pensé au public, au jury et à tous ceux qui ont aidé à organiser cette compétition? Et à tes amis qui ont appris ta chorégraphie? On a toutes travaillé très dur. Mais c'est moi qui serai ridicule. C'est possible. Mais le ridicule ne tue pas et cette compétition concerne tous les habitants de Frazy Paradis et nos invités, les danseuses du ballet de Mégapomme. Pense aux autres, Pruntille. Les danseuses de Mégapomme sont venues de loin pour danser et pour nous voir danser également. Oui, mais on danse. On danse comme on danse. Les petits pépins ont du talent. Pourquoi ne les laisses-tu pas s'exprimer comme ils le souhaitent? Ce serait plus amusant pour eux. Tu as raison. Je reconnais que ça n'a pas dû être très drôle de travailler avec moi. Dites-moi, les petits pépins, qu'aimeriez-vous faire comme pas de danse si vous aviez le choix? Oh, la pyramide! Et puis la torpille! Des bonnes grenouilles! Des sauts périlleux arrière! Ce sont d'excellentes idées, ça mériterait qu'on les essaye. Qu'en dites-vous? Ah oui! Bon, alors allons-y! Oubliez tout ce que je vous ai appris et faites tout ce qu'il vous plaira. Et surtout, amusez-vous! Maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir l'équipe de Frazy Paradis. J'ai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Prunetille et les petits pépins. Créativité dans les figures, c'est un bonheur de vous voir danser avec autant d'exubérance. Oui, oui, oui. Comme vous le savez tous, il s'agit avant tout d'une rencontre amicale, mais nous devons malgré tout choisir un gagnant. Et cette année, notre vénérable jury a choisi de récompenser l'originalité, le travail d'équipe, l'enthousiasme contagieux et l'énergie débordante de nos petits danseurs de Frazy Paradis. Tu vois, Pruntille, il suffit de laisser le talent de chacun s'exprimer. Oui, tu avais raison, Charlotte. Il n'y a pas une seule façon de danser. Il y a la mienne, celle du ballet et celle des petits pépins. Sont intéressantes. Vous verrez, l'année prochaine, je créerai une toute nouvelle chorégraphie en m'inspirant de toutes vos bonnes idées. Et le mot d'ordre sera, il faut que tout le monde s'amuse. Et 5, 6, 7, 8. La Fruntille, reviens ici tout de suite. Bonjour, Charlotte Offray.
Charlotte aux fraises. Bonjour, papa Hortensia. Oh, bonjour, Charlotte aux fraises. Salut, Lily Framboise. Salut, Charlotte aux fraises. Bonjour, Mimi Citron. Qu'est-ce qui sent si bon? Oh, c'est mon shampoing au citron, il te plaît? Oh oui, je l'adore. Super, j'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui t'ira à merveille. Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon. Merci, Mimi Citron. Bonjour, fleur d'oranger. Bonjour, Charlotte aux fraises. Où vas-tu si tôt? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafoutis. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol. Pas de soucis. Clafoutis! Te voilà enfin! Attendez-moi sagement. Je vais cueillir des pépins de tournesol pour fleur d'oranger. J'en ai suffisamment. Mais c'est notre petite Charlotte aux fraises. Je vous trouve bien matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits? C'est ma dernière invention et j'en suis très fière. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes frégiminis. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en ville. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisées délicieuses. Merci. Seulement, voilà, il y a un tout petit problème. Ma frégimini récolte est beaucoup, beaucoup plus abondante que prévu. Merci, Charlotte. Il faut apporter ces caisses de fruits et légumes au magasin avant qu'ils se gâtent. Fleur d'oranger va en tomber à la renverse. Elle sera enchantée. Je vais vous aider, petit pépin l'ancien. À vos marques. Vous êtes prête? Marmelade, non! Ce n'est pas un jouet! Je suis vraiment désolée, j'essaie de la dresser. Ce n'est pas grave. Attention, à vos marques, prêtes, partez! Grimpe, Patch. Oh non! Ah.
allons les rattraper. On est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds. Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux. C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra... Le lac! Ah! On est arrivé! Oh! 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 Dépêche-toi, on va prendre un raccourci. Je les vois pas. Je les vois maintenant. Ils sont à quelle distance? Il vaut mieux pas que tu le saches. Hey.